Salut les filles les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de cul. D'ailleurs faudrait peut-être que je pense à changer de registre, parce que YouTube s'imagine à chaque fois que je parle. Enfin, vous avez compris de quoi. Et ils me démonétisent toutes mes vidéos. Déjà qu'ils sont pas très généreux, bientôt je vais finir sur Dailymotion hein, si ça continue. Bref, aujourd'hui la vieille meuf aigrie que je suis a envie de vous partager ses meilleurs conseils pour prendre enfin des fesses. Je pense être quand même plutôt bien placée pour vous en parler. Et pour casser la croyance populaire, non, ce n'est pas à 100% la génétique. Hein. En parlant de génétique, d'ailleurs, petit point avant de commencer. La génétique influence vos résultats, mais surtout ne les détermine pas. Alors, si vous avez un cul genre complètement plat, mais vraiment ultra plat. Bon, c'est pas grave, bichette, crois-moi, il y a bien pire dans la vie, hein. Eh ben figure-toi que tu vas pouvoir le faire grossir avec quelques efforts. Bon alors après, faut être réaliste. Hein. Tu te doutes qu'il va pas devenir énorme et sec. Non, ça c'est pas moi qui dis ça. Ah, et petite précision aussi, les conseils de cette vidéo ont pour but de vous faire prendre du muscle fessier. Non, parce que les vidéos conseils qui te disent en gros, ben les fesses c'est du gras, donc pour prendre des fesses, faut grossir, si merde. Moi j'entends ça, je dislike direct. Hein. Hashtag game fait gris, y'a pas de pitié. En réalité, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner un, mais je vais te donner deux secrets. Mais bon, ça sonnait moins bien dans le titre, tu vois. Mes deux ultimes secrets pour un gros cul, c'est un petit peu moyen. Du coup, j'ai dû arrondir à l'inférieur. Tu sais, c'est comme à l'école, je pense en maths, tu dois peut-être t'en rappeler. C'est un petit moment, mais quand même. J'arrondissais à l'inférieur, au supérieur et tout. Bon, je me suis préparé un petit thé dans une tasse que j'affectionne particulièrement. Regardez, super gueule. La meuf en toute modestie. Et alors, je me suis préparé un goûter aujourd'hui, les filles de genre, mais alors du feu de Dieu. Une tartine peanut butter confiture. Pareil que c'est un truc à l'américaine et tout, tu vois, moi je connaissais pas parce que la vieille meuf aigrie que je suis a toujours 10 ans de retard, surtout, hein, d'ailleurs, pas sur la bouffe. Un peu de genre, si vous connaissez pas ça, mais en fait je pense que tout le monde doit connaître, juste la seule meuf qui à chaque fois connaît rien. Mais si vous connaissez pas et que vous êtes comme moi une meuf aigrie, faut absolument vous tenter parce que c'est fabuleux. Mon premier secret pour grossir des fesses. Et ben c'est tout simplement de se buter les fessiers aux exercices polyarticulaires que l'on adapte en fonction de son ressenti pour concentrer vraiment la contraction dans les fessiers. En gros, on tape dedans et on arrête les exercices avec l'élastique autour des genoux à quatre pattes sur un tapis. On voit ces trucs maintenant sur Instagram, vraiment c'est plus ce que c'était. Si on veut vraiment faire grossir un muscle, il faut le pousser, le choquer. Et les petits exercices là de peaufinage, etc., c'est pas ça qui va vous faire prendre vraiment du volume. Alors oui, ça fait bien en vidéo, c'est sexy, ça fait de la fantaisie et tout, mais croyez-moi, ça ne fonctionnera pas. Je vais maintenant vous montrer mes exercices véritablement phares pour taper dans les fessiers, les ressentir et les faire grossir. Alors pour le premier exercice, ce sera des fentes unilatérales avec barre guidée ou haltère. Alors pour moi, c'est l'exercice ultime, celui-là. On descend et on remonte avec la force du fessier en cherchant à ramener le bassin vers l'avant. C'est mon exercice favori pour travailler les fessiers, il y a de fortes chances pour qu'il vous convienne aussi. Personnellement, je sens beaucoup mieux les fessiers en les faisant en unilatéral statique plutôt qu'en les faisant marcher. Alors le soulevé de terre sumo, ça fait que quelques mois que je le pratique celui-là et il est également magique pour cibler les fessiers. Alors là, idem, il faut remonter vers le haut par la force du glutis et bien contracter à l'arrivée. On travaille intensément fessiers, chaîne postérieure évidemment et adducteur. Ce qui n'est pas plus mal hein, d'une pierre deux coups. Le squat serré sur la barre guidée peut être un précieux allié, mais attention avec la position du dos pour ne pas vous faire mal. Je ne le fais donc pas systématiquement, mais j'avoue que celui-là, il tape bien dans les fessiers et le lendemain, c'est courbature assurée. Et enfin, un incontournable, le soulevé de bassin. Alors bien que je n'en fasse plus depuis des mois, c'est un exercice qui permet de charger lourd en sollicitant fessiers, ischio et bas du dos. Attention également, il faut bien maîtriser la position pour ne pas se faire mal, mais c'est un exercice qui vous permettra de taper principalement et en grande partie dans les fessiers de manière plutôt isolée, tout en chargeant lourd. Je vais maintenant vous parler de mon deuxième secret. Alors pour moi, c'est la base de la base. Et pourtant, dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder, je n'ai jamais ou assez peu vu des gens en parler. C'est la fréquence. Je vous en parle aujourd'hui pour le booty, mais ça fonctionne pour n'importe quel autre muscle. Donc s'il y avait des fit guys qui regardaient cette vidéo et qui commençaient un petit peu à s'impatienter parce que bon, le booty, c'est pas leur priorité. Vous pouvez appliquer ce conseil à n'importe quel autre muscle. Pec, épaule, dos, bras. Il faut impérativement solliciter le muscle plus qu'une seule fois par semaine. Bon, alors après, je vous dis pas de le faire tous les jours parce que j'en connais certaines, c'est ce qu'elles vont faire hein. Donc attention les filles, l'idéal étant de faire
2 trainings leg day par semaine. En faisant vos séances 2 fois par semaine, vous allez laisser suffisamment de temps aux muscles pour qu'ils récupèrent, mais vous n'attendrez pas non plus trop longtemps. C'est comme ça que l'on rattrape un retard. Voilà les filles, les garçons, vous savez maintenant tous mes secrets pour prendre efficacement du booty. Ce n'est pas du bullshit, ce sont des astuces qui marchent. J'espère que cela va vous aider pour vos futurs leg day, vos futurs programmes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, car un like égale un abricoté planté, et de vous abonner parce que plus on est d'abricots, plus on rit, et puis on va bientôt atteindre le million quand même. Alors si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, ça sera pas de refus. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo fitness. En attendant, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux @6emua. Je fais plein de gros bisous, à très vite.